Ouais, je crois. Enfin pour moi, après pour vous, je sais pas si ça influence beaucoup, mais c'est quoi qui a changé du sac sur à l'entrée en fait, il y a le flûtiste qui joue dessous la tonnelle. Dessous la tonnelle, ça veut dire. En fait, il va faire un intro et il va jouer en mode éloigné, il va jouer caché. Ok. Il joue juste caché. Voilà. Alors les gars. Moi, je côté, ça ne concerne pas, c'est pas plus du côté de signe. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il vient pas avec tout le monde, il veut Ça va, Pierre? Ah ouais. J'ai gardé un en suspens. Non, on est bon, là, je pense. J'enlève pas toutes les bâches, quand même. Thank you.
Cannes. On a pris un risotto au saumon avec un petit coup de blanc dans la midi. Ce soir là, on en vient là. Non mais non, on ne reste pas. Non, on règle les problèmes. À midi. Chez l'enfant. Allez, voilà. Ouais, bah je reste quand même là. Voilà. Et alors, comment c'est pour l'heure, il faut descendre. Toi, tu voulais pas bouger, Isabelle.
était là et on l'avait mis là pour la pluie. À 5 heures. Non, non. Je les remets. Tu feras ta sieste, non? Ya! Comment ça, tu es là, non? Mais c'est là, c'est vrai, c'est un métier, 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 c'est un métier. Non, c'est pas de bol, quoi. Non, mais c'est vrai. On s'en va tenir. C'est hier, on était dans la salle. On les mangeait à midi. Ou en français, ça. Alors, on s'en va tenir. Hier, on n'aurait pas, si tu veux manger, comme... Là, avec les enfants, ça avait l'air sympa. C'était bien. Ouais, t'étais là. Ja, nur langs. Nur kecke Bretter, der Brüß, Brüßchen. Non, non, mais... Mais tout ça dans le vent, il est 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 dans le vent, non, mais non, ça, ça fait partie de la vie. C'est bon, c'est un peu... C'est bon, ça. Thank you.
ce matin. Il est un peu vieillissant. C'est un peu vieillot, mais bon. Oui. Alors, ça dépend des... Par contre, la vitrine. Je me fais rêver pour les faire de ménage.
9h du matin. À 9h du matin. Mais non. Mais vous n'avez pas dit ça. Là, il y a un rang qui est là. On est comme ça. À côté de vous. Ouais. Même parce que je l'avais, elle m'avait reconnue, tu sais, de l'époque, et elle m'a dit, je lui ai dit, putain, je suis passée sur par Zooking, il y avait ça, alors elle m'a dit, ah, mais non, passez pas par Zooking. Allez, elle m'a dit, ça, elle m'a dit, elle m'a dit, je passe saison. Est-ce que vous avez eu? Oui, ça va. Avec le tout compris, ça veut dire, ouais, dans les deux. Non, non, la maison. Oui. Ah, c'est bien aussi. Ah, écoute, on a mangé au coffre. On a mangé du manche au coffre. C'est avant le passage au niveau et l'autre. Ah, mais non, ça dit quand tu viens de Strasbourg. Non, mais non. Tu es à gauche, avant le grand portail dans. Et c'est immense, c'est ce genre. C'est chic et cher ou c'est. Non, c'est. Mais c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est pas donné, bon, pas c'est pas que vous pouvez boire. Non. Non, c'est. Non, on a bien mangé. Non, mais ça a été très bien fait. À l'Aubert et Gorouf, hein. À l'Aubert et Gorouf, où elle est pas tout ça. Mais c'est toujours un aliment. Oui, c'est bien. Il y a un endroit où il s'agit, c'est pour les branches. Ah, le poids, il fait cher. De tout le temps. Je pense même pas que ça a été. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce fabuleux domaine de la Leonardo, en espérant que ça reste sec jusqu'à la fin de la soirée. Ce soir, c'est une soirée très spéciale pour le Festival de musique d'Aubernais.
C'est une soirée qui est dédiée à tous nos partenaires, tous nos partenaires qui nous suivent déjà depuis 11 ans et sans lesquels bah, il ne serait pas forcément facile de vous proposer chaque année des concerts d'exception comme celui-ci, avec des musiciens talentueux de classe mondiale. Donc on aimerait les remercier tout particulièrement. Le parrain de cette soirée n'est autre que la fondation Peter et Louise Hager, fondation qui œuvre énormément pour le développement de projets artistiques et culturels et qui aide le Festival de musique d'Auvergne depuis très longtemps. Donc merci à eux. Merci à eux parce que chaque année, nous avions l'habitude d'organiser aussi un concert dans leurs locaux, fabuleux locaux à Auvergne. Cette année, malheureusement, ça n'a pas été possible pour des raisons techniques, mais c'est que partie remise pour les années futures, donc on se réjouit. De la Fondation Hager et de l'entreprise Hager, nous aimerions aussi remercier M. Guachel, M. Houdebert et bien sûr M. Munch, ainsi que toutes leurs équipes opérationnelles qui nous aident grandement aussi pour tout ce qui est organisationnel, pour organiser le festival au quotidien. Il y a bien sûr bien d'autres partenaires hein, et je souhaite ici la bienvenue à l'ES, l'électricité de Strasbourg, la Caisse d'épargne, la région Grand Est, je sors ma petite liste. Il y a bien sûr la ville d'Auvergne avec notre fidèle de la première heure, M. Bernard Fischer. Merci à lui d'être là ce soir. Il y a aussi bien d'autres partenaires comme l'atelier Pierre Elbert, LCL, EBM Pabst, ITL, OT Ingénierie et bien d'autres. On tenait vraiment à les remercier ce soir. C'est important, surtout après les quelques mois qui nous précèdent, d'être solidaires, d'aider les festivals comme les nôtres. C'est grâce à eux aussi que, encore une fois, on peut vous proposer un spectacle d'exception comme ce soir. Donc, merci à eux. Juste... merci. Petit rappel, parce que ce soir il y a une captation, merci s'il vous plaît d'éteindre vos téléphones ou bien de les mettre sous silencieux. Ce soir je vous laisse avec encore une fois un splendide ensemble, les ambassadeurs qui vont vous jouer les Scottish Songs, dirigés par Alexis Kosenko, pardon. Je vous souhaite un bon concert, une bonne soirée. Encore une fois, on croise les doigts pour ce soir. Et encore une fois, bonne soirée.
Oh, per si bella marigre, de arco a bani la sez, de big bower on yon birthday, and did it all with brushes. Oh, per si bella marigre, de arco a bani la sez, de big bower on yon birthday, and did it all with brushes. Fair Percival, thy lord, yes, clean, and thought my near good altar. But Mary prays for Bucky Ain, they guard my fancy falter. Now Percy's hair's like calling cap. Smiles like coming morning, when Phoebus hearts from Cain's lap, the hills will raise a dawning. Her lips, oh wow, they're dainty. Mary's locks are like a crop, her aim like diamond glances. She is a secret of and drop, she kills whenever she dances. And Mary's locks are like a crop, her aim like diamond glances. She is a secret of and drop, she kills whenever she dances. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans les Highlands, dont nous avons à peu près le temps véritable, hein, puisque pour reprendre un jeu de mots qui m'a été aimablement prêté ce soir, si nous devons subir une douche écossaise, eh bien ce sera le bon moment. Oui, nous sommes dans les Highlands, à l'époque de Bach, à l'époque de Handel, pour un programme que nous vous avons concocté autour de Scottish Songs, Scottish Tunes, des airs qui proviennent au départ d'une tradition orale, mais qui ont commencé à être publiés, donc fixés, à la fin du XVIIe siècle. Et ces publications ont permis à cette musique de sortir de la seule Écosse pour trouver un écho plus que favorable, mais vraiment un grand engouement, dans la haute société londonienne, où on aimait beaucoup les parfums inimitables de cette musique écossaise. Et donc, les éditeurs ont trouvé que c'était une manne, une vraie source de revenus d'éditer et de manière périodique ces airs, en les remettant au goût du jour. C'est-à-dire qu'au départ, ils étaient publiés sans accompagnement. On se contentait d'improviser l'accompagnement avec quelques accords simples. Puis, à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe, on commence à écrire une partie de basse continue, plus élaborée. Plus tard, dans le 18e, on va écrire des accompagnements au piano, puis parfois pour petit ensemble instrumental, piano, violon et violoncelle.
ce qui permettait de jouer, de chanter et jouer ces airs en famille, selon les ressources instrumentales que nous y avions. Et c'est là qu'on demande, par exemple, à des compositeurs connus, tels que Haydn, de bien vouloir écrire des arrangements, des harmonisations, avec des petits préludes bien à eux, autour de chansons dont on envoyait le texte et la mélodie. Par exemple, l'éditeur Thomson, à la fin du XVIIIe, donc demande ce travail à Haydn, qui va mettre en musique plus de 250 de ses chansons écossaises. Et Haydn, n'ayant pas tout à fait le temps de terminer le travail, eh bien, recommandera un certain jeune Beethoven. Et donc Beethoven a écrit lui-même quelques dizaines de magnifiques chansons écossaises. Et tout cela se poursuit encore jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est donc toute une épopée que l'évolution de ces chansons écossaises, dont on retrouve les mêmes thèmes, parfois évolutifs d'ailleurs, ce qu'on pourra découvrir au cours de ce programme, et qui traverse les âges. Alors quelques mots peut-être sur la chanson que vous venez d'entendre, et puis celle qui vous attend. Bonsoir. Venez d'entendre Bessie Bell. Un homme rencontre Bessie Bell, il tombe amoureux de Bessie. C'est la femme la plus jolie du monde. Il avoue. Jusqu'au jour où il voit Mary Gray, qui est encore plus jolie que Bessie Bell. Et donc finalement, à la fin de la chanson, il n'a ni l'une ni l'autre. Et après, une chanson qui va être jouée par Alexis, « The Yellow-Haired Laddie ». Ça parle d'un jeune homme au printemps où tout commence à fleurir. Il part dans les Highlands, sans doute en train de penser à Bessie et Mary, peut-être. Autour de cette chanson de « Yellow-Haired Laddie », nous vous proposons deux pièces instrumentales qui sont toutes les deux composées sur ce qu'on appelait « a ground bass », c'est-à-dire une basse obstinée, une répétition d'accords qui vont être une base pour des variations improvisées ou écrites. Donc la première vous sera certainement familière, puisqu'il s'agit de Greensleeves, que vous connaissez soit sous ce nom, soit dans une mouture bien plus moderne, puisque la chanson de Brel dans le port d'Amsterdam est aussi basée sur cette même série d'accords. Et puis, après The Yellow-Haired Laddie, vous entendrez une petite joute entre la flûte et le violon sur une basse qui s'appelle Paul Stipple.
when primroses paint the sweet plain, and summer approaching rejoice at the swain. In April, when primroses paint the sweet plain, and summer approaching rejoice at the swain. The yellow-haired laddie would oftentimes go to the wilds and deep glens where the hawthorn trees grow. The yellow-haired laddie would oftentimes go to the wilds and deep glens where the
il nous faut un peu de temps pour que les instruments à cordes et que les cordes en boyau s'habituent au temps, à l'humidité changeante, mais ça va se stabiliser. La mélodie suivante se trouve sous deux formes et sous deux noms différents, selon les recueils, même contemporains, comme « Hat me with thy petticoat » ou « Light wind ». Dans un cas, il s'agit d'une mélodie tendre, dans l'autre, la même mélodie caractérisée comme étant « brisque », c'est-à-dire très vive. De quoi parle « Come hat me with thy petticoat » ? Ça a l'air assez sensuel, Robert. En fait, un homme est amoureux de Belle, et depuis qu'il a vu cette femme magnifique, il n'arrive plus à dormir, il sent qu'une douleur en lui jusqu'au moment où il va pouvoir l'avoir peut-être comme femme. On l'espère. Belle, thy looks have killed my heart. I pass the day in pain. When night returns, I feel the smart and wish for thee in vain. I'm starving cold, while thou art warm. Have pity and incline, and grant me for a hap that charming petticoat of thine. That beauty's form all thine, and thou too good its lot of flight by hindering the design. May all the powers of love agree at length to make thee mine, or lose my chains and set me free from every chain of thine. Just reward that to love and let true passion die. Oh, turn and let compassion seize that lovely breast of thine. Thy petticoat could give me ease if thou and it were mine.
beaucoup de ces mélodies ont d'abord eu une existence instrumentale avant de se voir attribuer des paroles, ce qui explique aussi des tournures très inhabituelles et puis des ambitus de deux octaves qui sont finalement des choses qui correspondent peu aujourd'hui aux chanteurs lyriques. Et j'ai concocté le programme à partir de deux sources principales. L'une est l'Orpheus Calédonius, qui est le premier recueil avec des chansons à texte, qui est publié dans les années 1720 à Édimbourg. Et le deuxième, c'est une grande collection de James Oswald, qui a collecté tous ses airs, qui est lui-même écossais, évidemment, et qui a écrit de nombreuses variations pour la flûte traversière ou pour le violon. Parfois, on trouve les mêmes mélodies, ce qui me permet de les mélanger avec des variations sur le texte chanté. Et vous entendrez là deux mélodies successives, Dumbarton's Drums, et puis, sous la plume de James Oswald, une sonate en trois mouvements écrite de manière un peu plus classique sur la base de trois de ses thèmes. Peut-être tu veux nous parler de Dumbarton's Drums. Dumbarton's Drums. Annie parle de Dumbarton's Drums quand elle entend le tambour, c'est ça, Trump? Le tambour, elle se rappelle de son soldat chéri Johnny, là où elle est le mieux, dans ses bras. Dumbarton drums beat bonny, oh, when they mourn me a my dear Johnny, oh. How happy am I when my soldier is born, while he kisses and blesses his Johnny, oh. 'Tis a soldier can only delight me, oh, for his graceful looks to invite me, oh. While guarded in his arms, I'll fear no wars or lambs, neither dangers nor death shall affright me, oh. Thank you.
proposons maintenant une mélodie, Blink Over the Burn, suivie d'une de mes chansons les plus célèbres, Catherine, les plus mes préférées, Catherine Ogie. D'ailleurs, tellement préférée que vous l'entendrez peut-être deux fois dans le programme. Une fois en version instrumentale, une fois chantée. Blink Over the Burn. C'est une mélodie très courte mais très jolie. Comme les tendres colombes recoulent, moi je recoule pour vous, Betty, et notre amour s'entrelace comme le lierre. S'il s'agit de colombes qui recoulent, tu permettras de commencer parce que les oiseaux, c'est ma partie. Vas-y. Thank you.
sens que si je parle trop longtemps, il va falloir qu'il se réaccorde après aussi. Mais quand même, quelques mots sur la mélodie. Vous allez entendre Tweed Side. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle a inspiré non seulement des compositeurs écossais, mais aussi des compositeurs italiens. Et de nombreux compositeurs italiens ont fui l'Italie pour venir faire carrière ailleurs en Europe. Ah, c'est un peu le contraire qu'on imaginerait aujourd'hui. Mais pour ça, et notamment, beaucoup d'entre eux se sont installés à Londres. Ils espéraient trouver une meilleure fortune qu'en Italie. Et ce fut le cas de Veracini, un violoniste fameux italien originaire de Florence, qui était d'abord passé par Dresde, où il avait fait montrer l'étendue de son caractère ombrageux. Il y a un certain nombre d'anecdotes qui montrent qu'il n'était pas un personnage facile. D'abord, il a été vite écarté de l'orchestre parce qu'il jouait de manière trop personnelle pour pouvoir se fondre dans l'ensemble. Puis il y a eu une controverse assez célèbre avec le concertmaster Pisendel, à la suite duquel, il a été tellement vexé qu'il a été pris d'une crise de folie alors qu'il jouait au premier étage de son appartement, et il a jeté le violon d'un côté, l'archer de l'autre, la perruque, et il a sauté par la fenêtre. Il en est resté infirme, il a boité jusqu'à la fin de sa vie. Après cet incident fâcheux, le voilà qui part s'installer à Londres, et là, eh bien, pas de chance, son bateau fait naufrage sur la Manche, et il y a perdu ses deux violons très précieux de Steiner, qu'il avait nommés l'un Saint-Paul et l'autre Saint-Pierre, et qui repose aujourd'hui encore, j'imagine, au fond de la Manche. Le voilà qui arrive à Londres, il découvre ses mélodies écossaises, il en tombe amoureux, je suppose, et puis, pensant certainement s'attirer les faveurs du public, commence à parsemer certaines de ses œuvres de ses mélodies, et notamment un opéra qu'il a donné à Londres. Il pensait qu'il aurait beaucoup de succès en mettant quelques pincées de musique anglo-saxonne dedans. Bon, ça n'a pas beaucoup marché parce que le public n'a pas trouvé que c'était une très bonne idée, et se demandait pourquoi ils devaient dépenser une guinée pour aller entendre à l'opéra un air que leur cuisinière chantait avec beaucoup plus de charme à la maison. Néanmoins, on retrouve dans ces sonates académiques, qui sont tout sauf académiques d'ailleurs, mais plutôt des œuvres pleines d'un piquant tempérament, et on retrouve à la fin d'une sonate en la majeur, eh bien, des variations sur la mélodie Tweed Side que vous allez entendre. D'abord chanter, puis jouer. Et puis la mélodie, la chanson parle de Mary, encore une Mary, qui est une bergère qui longe le Tweed. Au bord du Tweed, il espère la rencontrer. Il espère que le Tweed berce Mary et qu'elle s'endort pour qu'il puisse lui donner un petit bisou. What beauties does Flora disclose? Oh, sweet are her smiles upon Tweed. Yet Mary still sweeter than those, both nature and fancy exceed. Nor daisy, nor sweet blushing rose, nor all ye gay flowers of the field, nor Tweed gliding gently through those, such beauty and pleasure does yield. Oh, does Malvoof pass the long day? Does Mary not tend a few sheep? Do they ne'er carelessly stray while happily she lies asleep? Tweed's murmur should lull to rest, kind nature indulge in my bliss, to relieve the soft pains of rest, I'd steal an ambrosial kiss. Mm-hmm.
Gilderoy, Robert, s'agit-il encore d'une histoire d'amour? Mais une histoire d'amour un peu triste, puisque Gilderoy était un genre de Robin des Bois. Il avait des chaussettes en soie, bien habillées, mais de temps en temps, il piquait une vache et il piquait un cheval ou parfois un tonneau de whisky. Et autrefois, les lois étaient plus strictes. Donc, quand on était attrapé en train de voler, on était pendu. Donc, c'est une histoire d'amour triste. Mais elle a dit avant qu'il soit envoyé à Edinburgh pour la pendaison, on a fini le tonneau de whisky. Descended from a Highland clan, but a caper till his trade. Our fathers and our mothers' faith, us they had great joy. Expecting still a wedding day, between me and Gilderoy. Catched him on a hill, and beneath his hands they tied. Alleging he had done much ill, but sons of whores they lied. Three gallons larger was quavo, we drained his last foy. Before he went for Edinburgh, my dearest Gilderoy, alas that here such laws were made,
to hang the man for gear, either for stealing cows or sheep, or yet for a horse or mare. Had not then been so strict, I had near lost my joy. But now he lodges with old Nick, that hanged my Gilderoy. De la mélancolie à l'euphorie, vous entendrez quatre pièces maintenant. Wally Wally, chanté par Robert, puis MacDonald's Lamentation, sur un rythme lancinant de lamentation à trois temps, typique des lamentations écossaises. Puis Catherine Ogie, que vous reconnaîtrez, vous l'avez entendu tout à l'heure. Et finalement, des variations sur Give the Mockingbird Out. Parle-nous d'amour, Robert. Tu fais ça si bien. Ah, merci. Wally Wally, c'est une chanson triste, mélancolique. Elle, Wally Wally, c'est... Et la personne marche partout triste, c'est triste. Catherine Ogie, par contre, c'est pas si triste que ça. Un homme, il se promène dans les Landes, en Écosse, et... Il y a beaucoup de brouillard et tout d'un coup, il voit Catherine Ogie, une très jolie bergère. Et il dit, pour tout mon argent, je laisserai pour être avec Catherine et mon chien. Oh, Wally, Wally, up yon bank, and Wally, Wally, down yon brae. Oh, Wally, Wally, up yon bank, and Wally, Wally, down yon brae. Wally, Wally, yon burn side, where my love and I were wont again. And Wally, Wally, yon burn side, where my love and I was wont again.
Walking forth to view the plain upon the morning early, while May's sweet scent to cheer my brain from flowers which grow so rarely. I chanced to meet a pretty maid, she shined though it was foggy. I asked her name, to her she said, my name is Catherine Oggie. Oh, were I but some shepherd's swain to feed my flock beside me, I'd quoting time to leave the plain in milking to abide thee. I'd think myself a happier man with Kate's my club and doggie, then he that hugs his thousand dead had abbot Catherine Oggie. The gods had not decreed for me so fine a creature, whose beauty rare make her exceed all other works in nature. Cloud bodies fair surround my love, that are both dark and foggy. Pity my case, he powers of love, a dapper Catherine Oggie. Dernier round de notre programme. Ça devrait aller. Old Rob Morris, une mélodie de l'Orpheus Caledonius que le compositeur Geminiani, lorsqu'il est arrivé en Angleterre, a aménagé. Il l'a personnalisé avec d'étranges variations pour flûte. Puis Peggy's Lament. Et enfin Merlin Willy. Merlin Willy ? De quoi nous parle Merlin Willy ? D'abord. C'est de l'anglais ancien, c'est de l'écossais ancien, alors tout n'est pas toujours très très clair. J'allais dire, vous qui parlez l'anglais, si vous comprenez l'anglais moderne, par exemple. I love her heart, j'aime son cœur. Et I love her heart. On roule les airs comme dans le Morvan, en Bourgogne, où j'habite. Donc c'est normal si vous ne comprenez pas tout.
Old Rob Morris. C'est une très très longue chanson. On fait que un couplet. C'est les parents qui convainquent ou essaient de convaincre leur fille de se marier avec le vieux Rob Morris parce que il a beaucoup d'argent. Ce n'est donc plus une chanson d'amour, c'est la première du programme. Et Muirland Willie, c'est un genre de cowboy John Wayne qui arrive sur son cheval, qui frappe à la porte du papa de sa chérie pour demander sa fille en mariage. Et il dit oui. Donc on finit bien. Mais nous allons débuter cette série de pièces par Roslyn Castle, une mélodie étrange qui sent les vieilles pierres et le fantôme. Ça guettait depuis un moment, hein, pour ne rien vous cacher. J'en ai d'autres, mais si tu veux, ça va. Tu peux t'en passer pour le. Cher Virginie, voudrais-tu jouer une pédale de mi, s'il te plaît? Juste une pédale. Ne vous inquiétez pas, le micro est sain et sauf. Heureusement, ce n'est pas les cordes vocales. Heureusement pour toi, mais pour Dean, je ne suis pas sûr que ce soit plus grave. Thank you.
king of good fellows and well old men. As for score black sheep and for score two and old Ramoris is the man ye mourn. Arkandinda will tell you who young Yolan Willie can do, though he could neither say nor do the truth I tell to thee. But he cries with terby tide, and Maggie I's heart to be mock. With a folly da la 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 la. On his grey yard as he did ride, with dirk and pistol beef. Run with meekle pride, with meekle muir and greed. Out o'er your moss, out o'er your muir, till he came day or night. The folly da la 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 la. Oh, ye be within, a comb your doctor's look out. A care na for making me glint with hands of giving. Oh, Lord, for ye will ye sit down, a give my doctor's look out. With a folly da la 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 la. The maid put on her kirtle broom, she was a frosty nollet. What's on him she did not gloom, but blinked bonnily. The Lord he stand it up in haste, and gripped her heart about a kiss. La 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 la. The Lord he stand it up in haste, and gripped her heart about a kiss. La 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 la.
Moi, ça me donne soif, cette soirée. Alors, je dois quand même vous dire qu'en principe, cette musique n'a jamais été pensée pour être jouée par des musiciens sobres, pour un public sobre. Nous espérons qu'en tout cas, de votre côté, vous êtes en condition. Et puis sinon, nous le serons après le concert. Nous changeons un tout petit peu nos plans, le nombre de cordes n'étant pas au rendez-vous. Tout ça parce qu'il a plu, il a plus des cordes et voilà, nous en manquons maintenant. Bon, elle est moins bonne que la douche écossaise, je vous l'avoue. En fait, il manque quand même un grand représentant de la musique anglaise à ce programme, et c'est Henry Purcell. Et pour cette raison... Je peux parler pendant que tu t'accordes ? Ça te dérange pas ? Bon. Non, c'est pour gagner du temps avant la prochaine averse. Voilà. Et donc, nous avons retenu un air tiré de The Fairy Queen, If Love is a Sweet Passion, sur lequel d'ailleurs, 40 ans plus tard, 40 ans après sa composition, James Oswald a écrit des variations dans un style d'ailleurs très différent, et nous avons plaisir justement à marier ces styles. Bon, alors je récapitule publiquement puisque nous devons changer un petit peu. Donc, je joue une fois la mélodie, ensuite je joue la première variation, puis je joue la deuxième variation, puis nous avons le couplet de Robert, puis ensuite nous jouons la mélodie, la version de Purcell à quatre parties, mais Virginie, tu joues la mélodie, moi je joue la seconde partie, puis ensuite Robert chante le deuxième couplet, je le double à la mélodie, Virginie, tu passes à la deuxième partie, s'il te plaît. C'est comme ça tout le temps. Cette musique n'est qu'une question d'organisation de la forme. Thank you.
the sweet passion, why does it torment? If a bitter, oh, tell me, whence comes my content? Since I suffer with pleasure, why should I complain? Or grieve at my fate, when I know 'tis in vain? Yet so pleasing to pain is, so soft is the dart, that at once it both wounds me and tickles my heart. Oui, voilà.